Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes à Exebus et nous voilà repartis. Sur Dwarf Fortress, on va parler d'équipement, on va parler de métal et d'ingraved, parce que mine de rien, mes ingraveurs avancent fatch vite. Et je pèse mes mots. Putain, j'ai tout fait ça, on a quelques portes à virer en plus encore. On pourrait les vendre, hein, je pense, ces portes. Est-ce qu'on pourrait pas les mettre plutôt par là? Ouais, voilà, c'est ça. Ah, bon, la petite save, je vous mets en pause, je vous reprends. Ok, on va mettre des portes, alors. Attends, comment ça se fait qu'il nous en reste autant des portes à mettre? Pensez que vu qu'on a modifié en cours le... peut-être parce qu'on a modifié en cours, l'ordre n'est pas passé direct. On va refaire une pièce au milieu d'une porte. On va être obligé, hein. La pièce qui sert à rien. Autrement, je fais des petits piliers, je mets la... on pourrait faire ça. Genre là, on met toutes les portes de toutes les couleurs. Non, je préfère avoir une pièce à porte, tant qu'à faire. Stone. Collect Weeb. Tu vas où pour collecter, toi ? Ici. Non, on y accède par où là? On y accède par là. Je n'ai point fait attention à ça. Claystone, allez, on ferme ici. J'espère qu'on n'aura pas un nain qui va mourir, mais bon. Je trouve ça bizarre qu'on arrive à collecter les... la soie des araignées. Mais c'est pas grave. Assez de troubadours et de ménestrels. Ouais, bah forcément, ils vont finir par rentrer. Les chars et zors, je m'en fous un peu. Ça nous posera des problèmes si jamais on doit se battre, mais on peut les tuer facilement, on n'est pas dans un biome maudit. Ça reste mineur comme problème, normalement. Qu'est-ce qu'il fait, lui, notre job? Lui, il lit ça, d'accord, ok, cool. Ok, on a une copie. Donc ça, ouais, les barres qu'on voit ici dans la bibliothèque, c'est des livres qui sont laissés par terre. Oh, le beau trait de vomi, quoi. C'est n'importe quoi ce que je fais, c'est terrible. C'est pas grave. Ça va être l'instant craquage du Xebu. Ah, faudrait que je réutilise l'outil que l'œil m'a donné pour faire les pièces directement. C'est la sélection Box Select Alt M que je n'utilise pas, que je devrais. Parfait. Même si on n'arrive pas à tout remplir,
Ça sera la pièce, la deuxième pièce à porte qui nous servira de réservoir si jamais on se craque dans les productions. On est bon. On est même très bon. Ok, les piédestaux sont finis. Smelter est fait. UMQ. Pigiron. Make Pigiron. On va en faire combien ? Il nous faut 3. 3 barres de métal pour faire une arme ou un bouclier, je crois que c'est 2. Hop. On va refaire le point un peu là-dessus. Bar needed. Alors, en tout, si je veux faire une panoplie complète, il m'en faut 12. 12 iron. Quoi, 12 steel. C'est tout, je pensais qu'il en fait vachement plus que ça. Ah mais non, c'est vrai, c'est en adamantium. Il nous en faut 12 par personne. 12. On en a 10, donc ça fait 120. On a que 106 d'iron. UMQ. Iron. Mec. Ok, non, je suis obligé de passer par le smelt. Attends, est-ce qu'on peut faire un smelt Ah, yes, magnétite. On va faire de la magnétite. Tu vas m'en smelt une cinquantaine. Une trentaine, ça devrait suffire. Ça va occuper un petit peu le côté forge. Bar block. Enable. Forbid. On va virer les blocs. Je veux pas que les blocs de pierre soient stockés ici. C'est hors de question. Vous m'entendez ? Ça, on va éviter de perdre de l'espace avec ça. Ouais, eux, ils vont pas creuser avant la Videra, là. Ça va prendre un temps fou pour qu'ils le fassent. C'est là. Creuser là. Non, on l'a pas encore construit. Mais on a une faiblesse dans la forteresse. La faiblesse est au niveau du magma. Elle est ici. Bon, déjà on va les laisser faire tout ça. Ça va leur prendre un petit peu de temps. On a un joli petit pourtour. Tant qu'on n'a pas fait ça, je peux pas me permettre de le remplir. C'est dommage, c'est comme ça. Par contre, ce qu'on va peut-être pouvoir se faire aussi, c'est ça. On va se faire une grosse pièce ici, comme ça, si on vide les douves là-dedans, on aura l'espace de stocker les douves. On va redonner l'ordre aux mineurs de miner. Voilà, parfait. C'est énorme ! Et oui, c'est énorme. Comme l'ego de certaines personnes. Hop là, bien trop grosse pour être contenue dans un seul homme, mais bon. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Un ego bien trop gros pour être contenu dans un seul homme, dans ce cas-là. Allez,
On envoie tout ça. Et maintenant, je veux... Je veux qu'on aille miner mon cochon. Nous acceptons que tu ailles boire un petit peu. Tu en as besoin. Et glou 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 glou. Et glou 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 glou. Ouais, on continue à faire des portes dans tous les matériaux, donc je pense que vraiment... Gabrodor, j'aurais dû le remove en fait. Remove et le relancer. Ça aurait été beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Si on a comme un paquet de portes à poser, ça veut dire... Je pense qu'en Gnes... Attends, elles sont vraiment grises. Un nain avec une idée est une chose vraiment très dangereuse. Chromite, ça passe d'un point de vue visuel. Orthoclase, bien sûr que non. Mika, ça passe. Chromite, Mika. Donne-lui le workshop. Give it to me. Ok. On est en train d'artificiellement faire monter le niveau de la forteresse. Okay. On a beaucoup de boissons, on a beaucoup de bouffe. Mais c'est bien. On a de quoi voir venir. On a fait une salle des leviers. Non. C'est quoi ça? Un traveler. Un boss. Bouchti, Tijak, Skinny, Feather, Abron. Je sais pas ce que c'est comme animal, un boss. Un boss femelle. Bon. Éradiquer les monstres. Si, je suis sûr que si on fait ça, genre lui, il va claquer, quoi. Ok, la construction est commencée, c'est bien. Ah si, l'ordre a dû finir par passer, quand même. Quelques autres portes à... Non, les portes en IS, c'est pas suffisant. Par contre, on peut les mettre dans le coin, les portes en... En IS. Mais dans le paquet, hein. Ça a quand même donné un certain esthétisme. Parfait. Et ça fonctionnera, hein. Ça fonctionnera. Sachant que mettre des portes dans les ateliers, c'est cool, parce que la plupart des nains aiment les belles portes, sachant que là, on a fait quelques chefs-d'œuvre. La nièce... Je peux pas les choisir par défaut. Ça irait plus vite. On est en train d'écluser les stocks, ça c'est bien. Faut voir visuellement, elle ressemble à quoi. Yes. Comme ça, on pourra finir peut-être les ateliers avec le même type. Ah, et bien sûr, hein, toujours intéressant de fermer les ateliers. Pour éviter les pétages de câbles. Orthoclase. Les orthoclases peuvent si on peut se les tenter, les orthoclases. Ils sont pas exactement pareils, mais c'est pas grave. C'est un peu fait de briquet de broc, mes ateliers, hein. Mais c'est RP. Alors voilà l'excuse qu'ont les streamers, les joueurs, ce genre de choses pour un truc qui va pas. Ils font ouais, mais bon, c'est RP. Voilà. Inch'Allah, c'est RP. Nes. Nesdor. Orthoclase.
Déjà, on va attendre qu'il me pose tout ça. Ça devrait pas mal les occuper normalement. Et après, on finira mon autre pièce à porte. C'est notre mère. Et toi, t'es quoi? T'es un administrateur aussi. Ok, c'est un administrateur. Ça va plutôt bien. Ok, ça a commencé. Hey, il nous reste deux piédestaux à faire. C'est Altesse, hein, les. Display fourniture, non, c'est F majuscule. Ok. Ça. Conduct meeting. Avec qui? On a encore un qui veut venir éradiquer des monstres là. Pétition! Tu vas me mettre des cadavres partout. C'est quoi ton statut, toi? Health. Noël, ce problème. Pourquoi t'as une petite jaune? Peut-être qu'il est agacé. Peut-être qu'il est agacé parce qu'on n'a toujours pas fait ses masses. Il nous a fait Naked Mole Dog Bone Earring, donc une boucle d'oreille en tant que trésor familial, héritage, ça me va. Ça. Mika Bridge. Viens ici. Encore une pétition, ok. On perd cela. Ça c'est cool, ça tombe ici. Il va falloir qu'on ferme au bon moment. Il va falloir qu'on remplisse et qu'on fasse un well ici. En plein milieu, comme ça on aura notre source d'eau pour l'hiver. Mais on n'a pas fait notre salle aux multiples leviers. Je pense que c'est dommageable. En général, j'aime bien les faire près de l'entrée. Ici serait un bon endroit. On pourrait y accéder par une porte ici et par une porte là éventuellement. Autrement, on la met ici, hein, la porte au levier. Non, les mitères sont entraînés, normalement ils le font. Ils activeront pas les leviers. Je pense que ici, ça vaut plus le coup. Ou alors qu'on. C'est où qu'il glande, mais non. Ouais, mais là il glande pas, c'est ça le problème. C'est un peu ça le problème. Bon, on va laisser tourner un petit peu. On va voir le mineur ce qu'il fait. Il va falloir que je fasse mes leviers. On commence à produire le steel, c'est pas mal. Il va falloir qu'on. Mettre sur les piédestaux les comment s'appelle on mettre sur les piédestaux les artefacts qu'on a, ça serait bien aussi. C'est bien de regarder ces nains de temps en temps, ça permet de voir où est-ce qu'ils vont pour se nourrir. Dans TCA, le plus court, c'est d'aller dans les forges. Mais t'as pas le droit. Il prend la nourriture là et il va l'amener dans la taverne après. Attends, si c'est pas un connard ça. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, il va même. Oui, bon, après, c'est là où il y a tout l'entertainment. Divertissez-moi, troubadour, ménestrel. Maintenant, tu vas boire.
Et maintenant, tu vas dormir. Tu dors où, toi? Nice. Ah, on est en autre job. On a fini tout ce qu'on avait à faire. Ça me va. Ça veut dire que tous les trois... On vous remet tout. Ça, vous allez vous amuser. Quand même quelques-unes. Hein. Je sais pas trop ce que je veux faire dedans. On peut faire des guild halls, on peut faire des temples. Même si ça me paraît pas méga worth de faire ça. Ça peut être des pièces vides. Hein. Autrement, on fait des... Comment ça s'appelle? Des allées de statues dedans et on en fait des gardens. Des jardins de statues. Ça pourrait être pas mal. Vraiment bien. Ok, on est bon. Là, on a éclusé tout. Il ne reste plus que les gabbros d'or. On va finir ici. Et on a tout mis. Non, il reste cette ligne. Les deux lignes ici. De vider un peu le stock ici aussi, on a beaucoup de mécanismes. On a les forges supplémentaires s'il faut. Pourquoi ils viennent? Oh, putain. Vous avez des lits les gars. Allez prendre vos lits bordel. On en a mis 3 de plus. Une. Là. Zut. C'est mieux comme ça. Voilà. On vient m'écluser ça, on relancera le... On lancera les autres activités après. Parfait. Si on a des choses à ranger. Donc ils perdent un max de temps. Bon, on a une certaine réputation, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent nous rejoindre. L'effort supplémentaire. Ça a été déposé. Alors, ça c'est une statue. L'ascension de Ustut à la position de reine de notre civilisation en l'an 1. Très bien. Donc du matraudeur, c'est fait. Six.
4, 5, 6, 7. Et Study of the Moon, le dernier. C'est quoi ça? Yak parchemin queer. Ah mais non, mais c'est pas des... C'est des choirs, ça, je m'en fous un peu. Je m'en fous un petit peu des parchemins, en fait. Perfect rhodolite. Niacepteur, wood tab, mole bon. Ok, très bien. Donc, The Pursuit of Sutures. Stop display, ça. Et ça. Attends, 1, 2, 3. On n'en a que 4, en fait. Shetland Day. Astrodir, Commons Full, Froturure, du Mertu. Ah vache. Écorche un peu les lèvres, tout ça. 1, 2, 3, 4. Et Schletleg, c'est quoi Schletleg? Je le vois pas. Ah mais non, il est déjà display dessus, donc je vais rien dire. Et si je me mets ici, on va le voir. Ouais, ok, très bien. Parfait. On a 5 artefacts. Codex, 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 codex. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1. Astro du Matrode. L'air très chudir. On a dû la poser, l'air très chudir, quelque part. Keystone. Je peux... Follow OK. Non, c'est pas grave. On a une porte, on a une relique qui est posée quelque part, ça veut dire. Elle a un nom, la relique. Stone. Stone. Elle doit être posée là-dedans. Pas où on a pu la mettre. Je ne sais pas où on a pu la mettre. On peut pas on peut peut-être pas display des portes en fait. Ça, c'est possible. Cabre d'or, non. C'est pas grave. On aura comme display quelques artefacts. Mec, muséum. Quelques-uns qui foutent rien là. On n'avait peut-être pas assez de choses à faire. Cabre au bloc, on a quasiment fini. Ça aussi. Okay. Je pense qu'il va falloir que j'augmente les la force de travail dans les forges.
Ah, mais lui aussi fait du papermaking. Alors, est-ce qu'on en a un qui fout rien? Tu vas commencer à te renforcer là-dedans, toi. Oh, un soldat. On accepte. Un Lord Consort. Human Swordsman. Non, rien à voir. Attends. Plus ça se trouve, c'est lui. Hein. Ok, donc c'est bien Onta, Casmo, le Lord Consort. Mais écoute, tu vas venir faire ton service ici, hein, y a pas de problème. Hein. Et ça va être très bien. J'aime stockpile, je pense qu'il faudrait qu'on se fasse une petite. Je pense qu'on va faire ici les stocks. Ça va être notre armurerie ici. Et ça sera très bien. On a le Weaver qui commence à. Ah putain, il est dans les. Je parie qu'il est dans les. Le Weaver. Ok, comment on peut gérer ça? Il faudrait qu'on pète un des bâtiments, des X. Des N plutôt. On va mettre une porte à la place. On va verrouiller la porte. Ah, c'est lui-même lui qui va le démonter, c'est parfait. Il va démonter ça. On va mettre une porte et on va la fermer. Une fois que la porte sera fermée, qu'on sera sûr qu'il n'y ait pas de nains dehors, on mettra un bloc et en fait la porte sera côté caverne, le bloc sera côté forteresse. S'il va pouvoir les boire, on va éviter d'avoir un mort supplémentaire, c'est pas nécessaire. Bercaille, toi, ça va pas te faire de mal. Ok, ça s'entraîne. Qu'est-ce qu'il a? Large. Bronze chain legging, bronze mail shirt, copper helm. Il a quand même un équipement en métal pour combattre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Guitari. Human Spearman. C'est dommage qu'on n'ait pas de holding. Moi, je trouve ça dommage. Mais bon. Ok, bon. On a display ce qu'on souhaitait. Parfait. C'est beau.
Ça fait des musées, donc ça fait des zones sur lesquelles les nains vont pouvoir venir se détendre un petit peu. Nos pièces à portes, celle-là, elle est finie, donc on a claqué toutes les portes qu'il fallait claquer. D'un point de vue d'engravement, je pense qu'il y en a qui foutent rien parce que... ils ont pas d'ordre, forcément. Ce qu'on va faire... Ça n'a pas été smooth du tout. Je pense qu'on peut se permettre de smooth. Ouais, c'est le problème de ne pas faire des zones carrées. On va faire tout ça. Ah, une grève de rien, non. On a une grève que là-haut, normalement, si j'ai pas de bêtises. Ah, on a une grève d'un peu là, dans les... Là, on remplit tout ça, c'est parfait. Et là, on va reprendre ici. On va s'arrêter à la limite là. Voilà, parfait. Bah voilà, ça va les occuper un petit peu. Et là aussi, ça prête pas mal qu'on ingrève là-dedans. Bah, qu'on smooth, parce que mine de rien, les nains, ils sont souvent dans les ateliers, quand on a toujours de la prod dans quelque chose. Voilà, ça va les occuper un petit moment. Et on va s'arrêter là, je pense que c'est bien. Allez, j'espère que ça vous a plu, ça va clôturer notre mois de juin. On va voir ce qu'on fait cet été, si on continue celle-là ou si je fais une petite pause cet été, c'est pas encore défini là, la vidéo a été tournée il y a un petit moment maintenant, il y a un gros mois. Donc bon, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur Dwarf Fortress. Allez, à bientôt tout le monde, et bye bye.